C'est auprès de l'île de Riou, au sud-est de Marseille, que la Calypso avait rendez-vous. Les hommes grenouilles ont plongé, munis d'une caméra de télévision sous-marine. Grâce à elle, le commandant Cousteau suivait sur l'écran les efforts de ceux qui exploraient à 40 mètres de fond un navire grec, coulé voici 2200 ans, avec sa cargaison de vin et de poterie. Pour la première fois, un travail méthodique d'archéologie sous-marine permettait de ramener en 1250 plongées 7000 amphores, d'innombrables poteries, les ancres et le matériel de bord dont vont s'enrichir les musées d'Europe.